Putain, mais quelle efficacité, Siori, incroyable. Oh là 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 là. Bon, attendez, je veux l'explication de Choupa. Alors, hop là, on va l'appeler en privé. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Alors, explique-moi, comment tu l'as rencontré déjà? Quel support? Je crois que je l'ai rencontré sur Instagram. C'est Instagram, ouais. C'est ça. Donc, quelqu'un que tu connais du stream? Non, du tout. En fait, moi, j'ai une technique pour choper de la meuf. Je vais sur Instagram et je tape ma ville, donc je tape La Rochelle. Ah, ensuite, je regarde dans les photos populaires parce que c'est des meufs qui sont soit impossibles de pécho, soit elles ont 10 000 messages. Donc, je vais dans photos récentes de La Rochelle. Ok. Et donc, je descends un petit peu. Ensuite, j'analyse combien de likes. Si la meuf a plus de 200, 300 likes, je n'envoie pas de message. Donc, elle avait un bon score. Elle avait un score, terme d'approche, on était sur un 7,5 sur 10. Donc, faisable. Vraiment. Elle avait, je crois, 70 ou 80 likes, ce qui semble plutôt correct comme score. Ouais, ouais. Ensuite, tu regardes la bio. Si c'est couple, pas couple, tu regardes un petit peu. Tu regardes les photos, t'analyses. Ouais. Ensuite, quand t'as fait ça, t'envoies un message. Et là, je crois que je lui avais envoyé un gif d'un ours qui dansait, comme ça. Et du coup, bah, généralement, elle t'envoie un point d'interrogation ou un truc comme ça, et ça les fait rire un petit peu. Et du coup, bah, avec elle, ça avait bien marché. Et donc... La première fois qu'on s'est vu, ouais. En fait, moi je lui ai dit, ça faisait genre un mois qu'on parlait, et on s'est vu jeudi soir. Je lui ai dit, je suis en ville, je vais sortir avec des potes, ça te dit de venir? Elle m'a dit oui. Du coup, elle est venue me chercher, et ouais. Je l'ai emmenée à mes potes. Sauf qu'en fait, vu qu'elle est jeune conductrice, elle ne boit pas d'alcool. Toi, par contre, t'as picolé, non? T'arrives plus à parler? Ouais. Ah bah c'est un tout hein. C'est genre un mix de, je sais pas moi qui c'est qui. Mix de Gérard Depardieu et de Laetitia Casta, tu vois, je sais pas. Attends, trop. Attends, mais oui, mais de quel côté? Si c'est de dos, c'est Laetitia Casta, et de face, c'est Depardieu. Parce qu'à la limite, ça se fait du coup. Oh, allez, c'est... Ou c'est l'inverse? Ouais, ouais, si ouais, c'est ouais, c'est plus l'inverse quoi. Ah, ça fait chier du coup, ouais. Ah bah, ça fait chier. Mais du coup, je me suis dit, il fait nuit, tu vois, donc ça peut passer. Et du coup, elle vient me chercher, on va chez elle. Déjà, je voulais que ça soit chez moi parce que j'avais pas envie de dormir chez elle, je voulais qu'elle parte après. Parce qu'on connaît la technique de je vais chez elle, oh, tu dors chez moi, je suis fatigué, je prends pas la voiture. Non, 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 pas ça, moi je veux dormir chez moi. Et puis voilà. Au final, elle m'a dit, on va chez moi. Ouais. Du coup, je suis allé chez elle, on a regardé l'heure de colle. Mmh. Ou la colle. Ouais, la colle. C'est genre un mec qui est dans une boucle temporelle et tant qu'il arrive pas à pêcher la meuf, il reste en heure de colle. Un film français, ouais, qui pue sa mère. Je l'ai vu et il pue, je suis pas allé au fond. Pue sa mère. Pendant une heure, j'étais sur mon téléphone, je faisais rien. Mmh. Et ensuite, je jouais avec sa chatte, enfin son animal de compagnie. Okay. Du coup. Ouais. Non, j'ai joué, voilà. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, j'ai faim, dès que je vais... Tu sais, je voulais rentrer chez moi, j'en ai marre. Et du coup, j'ai lâché un truc un peu subliminal, je lui dis, putain, dès que je vais rentrer, je vais manger, j'ai faim. Pour lui dire, vas-y, c'est bon, ramène-moi chez moi, j'en ai marre. Ouais. Et au final, elle m'a dit, ah bah j'ai faim aussi, si tu veux, on va au McDo. Et je lui dis, ouais, mais j'ai pas de sous, j'ai pas mon portefeuille. Donc elle m'a payé McDo, et elle m'a dit, on va à la plage. Et on allait à la plage, j'avais froid. Du coup, j'ai mangé mon McDo et j'ai mangé ses frites. Parce que j'avais encore faim, du coup j'ai mangé ses frites, son yaourt à boire. Et du coup là, elle vient de me déposer chez moi, j'ai mangé gratuit, et j'ai regardé un film gratuit, et puis voilà. En tout cas, c'était pas mal. Mais arrête, t'aurais au moins pu... qu'est-ce que tu... Ça va, tu pouvais niquer quand même, pourquoi tu niques pas? Moi bah, j'avais froid, voilà. Putain, mais t'as quel âge ou pas déjà? Je peux faire 22. Oh là là, mais à 22 ans chez une meuf, peu importe ce que c'est, tu vas pour regarder un film, si tu niques pas, t'es le pire des losers quand même. Comment elle s'appelle la femme de GG? Oh là là, laquelle? Sandra? Bah, c'était Sandra. Ah, pense, Sandy, ouais. Sandy. Sandy, ouais, je pense que c'est ce profil Sandy, tu vois. Mais non, mais elle arrête. Est gentille. Mais tu l'as. Elle est gentille. Sur Instagram, elle devait être jolie. Mais en fait, je l'ai matchée avant qu'elle soit grosse. En fait, genre ses photos d'Insta, elle était pas en elle était enfin tu vois là un McFlurry, elle à la base c'était un McFlurry, elle a rajouté le d'un caramel, tu vois.
Et en fait, ouais. Moi, je pensais pas qu'elle était enrobée. Je ne dis pas, j'aime les femmes enrobées, mais du avec délicatesse. Et le problème, c'est qu'en fait. Les femmes enrobées avec délicatesse. Oui, les choses. Comment dire? Un bon confit de canard. Tu vois, un bon confit de canard. C'est gros, ça, c'est, ça donne envie, c'est goûtu, tu vois. Parce que généralement, voilà. Mais si tu mets trop de sauce d'ail, c'est plus bon, tu vois. Enfin bref. Je sais pas, moi je te comprends pas. Franchement, t'es chez une meuf, franchement, tu vas chez elle, donc tu sais qu'elle veut se faire tirer quand même, et tu vas pas au charbon. Non mais regarde, un Big Mac, 2 steaks, c'est bon. Mais un Big Mac, 3 steaks, c'est plus bon. Mais dans ce cas-là, tu vas mais pas, tu le commandes pas. Tu le commandes pas le Big Mac. Ben voilà, elle avait un steak en trop. Mais sur Instagram, elle avait 2 steaks. Oui, mais et tu l'avais déjà vu. Donc là, quand il est retourné ce soir. Mais j'étais bourré. Je me souvenais plus de comment. Pour moi, quand j'étais bourré, j'aurais pu la ken parce qu'elle était. Je la trouvais jolie. Mais alors. Mais là, t'es bourré. En réalité, je suis pas bourré. Je suis. Il y a le stade normal. Ensuite, il y a le stade. Ivresse. Il s'est ensuite, les gars, c'est du mytho. Qui pense que c'est du mytho, il est dégonflé dans le chat. Moi, je pense qu'il s'est fait. Il est dégonflé. Il est dégonflé complet. En fait, Choupa, c'est un mec qui tire pas, c'est sûr. Dégonflé. Dégonflé. Mais fermez-la. Fermez-la. Je me suis pas dégonflé. C'est elle, elle devrait dégonfler. Eh, je quitte sur ça. Bon, bah, merci pour l'anecdote. Hein. Bonsoir. Bon, on retourne au film, messieurs, dames. Moi, je pense qu'il a ken, mais il assume plus. Ah ouais, Fuzouz ? C'était une bonne anecdote, hein, pour le coup. Oh, on a de quoi faire des super best-of en ce moment, c'est cool, je suis content. Hein ? J'entends bien, mais pour le coup... Georges, là, je veux la petite bite, là. Ramène la petite bite ici. Petite bite, George, c'est ça, c'est ici, là. Parce que tu t'es pris régulièrement, mais... à mon avis, tes enfants, quand ils vont tomber sur les films, ils vont pas être déçus du voyage. Hein, hein. Ah oui, ouais. Moi je veux Georges. Bon, allez, arrête de faire ta petite pute maintenant et tu me mâches, d'accord ? Natacha, tu fermes ta gueule et tu me mâches maintenant. Alors écoute-moi bien, c'est toi qui vas fermer ta gueule, ma petite pute, c'est toi qui m'as pute. Tu fermes ta gueule et tu mâches maintenant. C'est moi le bonhomme de la maison. Couché, pas bougé, tu fermes ta bouche, tu couches et tu bouges pas. Ok ? Dégage. On est pour carnaval, mais c'est quoi ce rafut? On est pour carnaval, là. Salut, Foued. Alors, est-ce que t'as un déguisement, Foued? Non, Foued, il veut pas se montrer, je crois. C'est ah ok bah, lui, il, se cache. Il a changé. Oh bah, non, pourquoi t'as coupé Victor, t'es sérieux? Mais non, parce que c'est le petit cœur. Ah, vous croyez qu'elle était en égo et qu'elle s'est contrôlée? Ah, il vient de lui envoyer son meilleur. Nique ta mère, quand même. Non, mais les gars, il y a un moment donné... C'est hyper bizarre. Ah. Elle, vous voyez, elle a une tête. Elle a une tête à avoir genre une relation semi-exclusive avec quelqu'un. Et du coup, à friendzoner les gens sur le vous. En fait, elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle cherche, ça sent qu'elle cherche parce qu'elle est, elle est pas heureuse dans sa vie. Et là, elle est là. Et elle cherche quand même quelque chose d'autre, mais elle veut pas se l'avouer. Et elle va matcher, etc. Chercher. Mais après, elle va rembâcher les friendzones. Elle a un peu la tête de l'emploi. Ouais, je pense. Vous en pensez quoi, non? Pas du tout? Hein? Elle est en relation avec son chirurgien esthétique, surtout. Elle nous prend de où? On fait des paris? Mais je sais pas, elle est chelou, elle, non? Complètement? Ouais, mais il y a des gens comme ça sur Internet, c'est infâme. Infâme! Infâme! Infâme, une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, six femmes, qui dit mieux? Allez, craquette d'info sur. Elle fait un peu craquette, ouais, en vrai. Hein. Mais elle est pas moche, hein. Ça sent la sorte de Bogdanov, chirurgie au Botox et tout. Ah ouais? Comment ça? Bonsoir. Salut. Bah t'as l'air un peu endormi là. Non, je suis sur mon PC, je travaille entre deux. Tu fais quoi dans la vie? J'ai pas regardé ta bio, j'avouerais. Comment? Non, pas grand-chose. Je raconte pas ma vie sur le web. Ah,
Bah, enfin, une sage décision, en tout cas. Sache qu'il n'y a que des tarés. Et généralement, les plus fous sont ceux qui portent des lunettes et des perruques. C'est des tarés, des malades. Des fois, ils se faufilent dans la nuit chez les jeunes filles. Et ils leur bouffent la connexion Internet. Mais j'ai rien dit ! J'ai rien dit ! Mais... Lis ton chat, chienne. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fossile. Quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Macron ? Mauvais diagnostic. Quoi ? Ah, parce qu'on me voit pas, mais on s'en bat les couilles, la scène. C'est pas grave, vous me voyez, là, vous me voyez, là. Salut. Là, vous me voyez, là, vous me voyez. Alors toi, hein, vous gueulez direct. J'ai refait un... Salut, j'ai mis un chapeau. Wouhou. Salut. Attends. Il avait mis un chapeau, pourtant, c'est con, vous l'avez pas vu. Direct. Ah, faut changer de déguisement, Mbappé, je pense, désormais. Ah ouais, bah ouais, franchement... Avec grand plaisir, parce qu'il me tient tout chaud. De suite en... Mais j'ai pas ce rôle, elle me casse les couilles, je cherche une fille avec de l'humour. Peu importe ce qu'on dit, qui rigole. Je suis en train de tomber sur tes tarés, depuis tout à l'heure, ça commence à me gonfler. Y'en a marre. Attends, mon chat. Remets le chapeau, on n'a pas vu. Mets un chapeau. Attends, chérie, attends. Je pense que le mieux, c'est le cosplay baissé. De toute façon, celui-là, il passe à chaque fois. Quand je vois mon garde du corps, là, je suis rassurée. C'est-à-dire qu'on va lui dire au revoir dans pas longtemps, celle-là. Regardez ça, la longueur du truc. Regardez bien. Bon, là, j'ai les cheveux emmêlés. J'ai des cheveux de salope, tu pourrais me tirer par les cheveux. Je gère la buisine. T'as vu, j'ai une belle queue. Hein. Alors là, tu me poses une couche, c'est mort. Attends, je suis entre deux, je suis en live. Ça veut dire quoi, baisser ? On va te montrer quand il n'y a pas de soucis. Fur et mort. C'est dingue d'avoir autant de cheveux derrière, mais pas devant. Mais en vrai, vous pensez vraiment que j'ai une calvitie de fou ? Mais c'est pas vrai, c'est juste que je me coiffe plus. Alors je monte pas mes cheveux, mais quand je vais sortir du coiffeur, de toute façon vous avez vu, j'avais pas un grand front sans cheveux. Hein. Parfait pour le doggy, vas-y tâche, baise-moi le... Elle a pas de setup de youtubeuse un peu. Un petit peu en vrai, hein. Un petit peu en vrai. Ah, enfant Ted. Laura, tu es jolie Laura. Laura, c'est les... elle nous fait un remake des Dents de la Mer. Ah, ça maquille. Toi ? Oh là là, elles sont en voiture ? C'est vrai, je suis mariée à papy, moi. Il manque plus que ma bague. Elle est où ma bague ? Ah oui, c'est vrai, t'es mariée avec... Planque, là ? Vous êtes en planque ? Ouais. Ok. Je vais vous donner l'indicatif, du coup. On m'a donné rendez-vous sur le vous, là. Le matricule, c'est 4258. Le mec, il va passer, il sera en jogging basket, hein, étonnant. Il aura un survêt Lacoste, d'accord ? Donc, au moment où vous le voyez rentrer dans l'épicerie, ce que vous faites, c'est que vous intervenez pas. Vous passez le code 7218 à la radio. Ok, vous faites un 38. Ok, ça marche. À ce moment-là, nous, on procède à l'interpellation. D'accord. Ok. Et ensuite, je rentre dans le van. Et là, on peut enfin commencer le film. C'est parce que ça, les prémices. Donc, à ce moment-là, toi, Samantha et toi, Pamela, vous commencez à vous embrasser. Et moi, je crache un petit peu dans votre anus et je vous pénètre d'un coup sec. D'accord. D'accord. Ok. Celle qui a le plus de cheveux, je l'avais en première parce que pour... au niveau de du crâne, ok, donc peut-être celle qui a les cheveux un petit peu crépus. Bon, si elle en perd, c'est pas grave, elle en aura toute sa vie, des cheveux de merde comme ça. Donc on va la prendre bien comme ça. C'est Samantha, c'est ça? Non, c'est Nick ta mère. Non, c'est Nick ta mère. Ok, Nick ta mère. Donc Nick ta mère, on va bien te prendre comme ça, d'accord? On t'inquiète pas, il y aura des préparations. Et on a fait les tests HIV il y a pas longtemps, ils ont moins de 8 mois, donc il n'y a aucun risque. Ils viennent tous d'Afrique, il n'y a aucun problème. Il y a du sud-africain, de l'Asie, on a tout prévu. On fait du multiculturalisme ici. Ok ? Il y a Pascal qui sera là. Bien niquer ta mère. Mais frère, j'ai compris que dalle. J'ai rien compris. J'y peux rien, le micro, si ça merde, c'est l'eau vous, les gars, ça vient pas de mon téléphone. J'en pouvais plus. Apparemment, je passe avant toi parce que je suis... Bon, là, les gars, je suis désolé, hein. Je vais m'auto-congratuler, mais c'était une masterclass. Ah, je vous le dis. Celle-là, c'était une masterclass. Je vous le dis sincèrement, c'était une masterclass, celle-là. C'est okay, marrant, c'est pas comme... Voilà, quoi. C'était un... bonjour. Allez, casse-toi, toi. Elles sont folles quand t'es plus en... Ouais, elles font les folles quand t'es plus en calme. Mais moi, ça me faisait rire avec les lunettes. Enfin, ouais. Mais je pense qu'elles s'attendaient pas à la fin, hein. Et toi, c'est marrant, c'est exactement ce que j'aimerais faire à certaines personnes. Du coup,
mais qui ont pas les cheveux crépus. Pas les cheveux crépus. Quoi ? Les cheveux crépus qui dit le mec il arrive. Mais non, mais je parlais pas d'elle. Mais tu t'appelles tout camé, tout camé du BBC là. Qu'est-ce que tu racontes? On s'est fait crépède. Le C-word. Putain, crépède. N'empêche qu'entre-temps Boubacar il a pécho. Ouais, c'est vrai Bitor, le karma. Mais arrêtez, il y a pas d'histoire de karma. J'aime bien ma voix quand elle est cassée. Vous trouvez pas qu'on dirait un mix entre Stéphane Escher et Patrick Bruel? Hein? Vous trouvez pas? Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Et Garou? Renaud? Non, Stéphane Pacher et Patrick Truel. Mais nique ta race, Bitor. Tu sais quoi, Bitor? Tu seras pas payé ce mois-ci. Word Record, déjeuner en paix. J'ai des problèmes de paiement en ce moment, Bitor, avec la boîte. Si tu savais, c'est la merde. C'est la merde. En plus, il y a un connard de prestataire, il m'a fait une facture pour août. Pouh, un truc de malade. On a une AG samedi, pas celui-là mais l'autre. Il va falloir qu'on en discute. Je pense qu'il faut qu'on étale ça au moins sur 24 mois. T'inquiète pas, Bitor, tu les verras, t'es une. Mais il faut vraiment que j'en parle à mes associés. Alors, on va... Je t'aime avec les deux beurrettes à chichan... Oh, plop, plop, plop. Rajabo, calme-toi, quand même. Non, mais c'est... Moi, je vais te dire ce qu'on te raconte. Moi, je vais te dire ce qu'on te raconte. Je vais te dire ce qu'on te raconte. Ce qu'on te raconte, c'est qu'on voit une photo, d'accord? Et qu'entre-temps... À quelle heure? Bon, écoute... Il va arriver, d'accord? Il faudra que tu prennes la porte de gauche à ce moment-là. Ok? Ah, mais je me suis trompé, toi, t'es déjà plus dans la matrice, non? C'est ça? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, c'est qu'en fait, je regardais la photo là, que tu avais de profil. Ouais. Et là, je viens d'atterrir, j'ai l'impression que je suis sorti de la matrice parce qu'il n'y a plus rien qui est raccord. Je pense qu'on a été débranché. On est quoi? C'est les abysses, là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a eu un problème. J'ai été banni! J'ai été banni! De quoi? Mais comment ça, j'étais dur? Mais non, j'ai pas été dur! Putain, du coup, ça a bugué. Mais non, j'ai pas été dur. Il y a trop de monde dans tes phrases pour être tableau de live. Il y a plus personne qui monte. Qui me monte? Elle a dit, il y a plus personne qui me monte? Matrixed? Méchant? Quoi? Moi? Il est sur son jeu. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis chez moi. Moi, je suis méchant, moi. Jamais. Ah, t'es pas tout seul? D'accord. Merci Jean-Claude Van Cam, mais tu n'as pas de photo, donc au revoir. Beauf sur sang. Agressif. Moi, agressif? Moi? Moi, je suis agressif, bande de fils de pute! Essayez de le prouver, ouais, bande de grosse merde. Jamais de ma vie j'ai été agressif, pas une seconde. Une seconde j'ai été agressif, bande de grosse merde. Jamais. Je suis un mec tout ce qu'il y a plus gentil, jamais je m'énerve. Donc fermez vos gueules, fermez vos chattes. Ferme ta chatte. Parle-leur d'aller leur cœur longue, mais d'abord attends le flash, puis ne surtout pas oublier de smoke avant de décaler. Ok, tu crois leur cœur longue ça marche? Ferme ta chatte. Mais non. Bonsoir mon fils. Bonsoir, mon père. Bonsoir. J'ai cru comprendre que vous aviez fauté, que vous aviez le cœur lourd actuellement. Exactement, et je tiens absolument à me confesser auprès de vous. Très bien. Êtes-vous baptisé, mon cher fils? Pas encore, mon père. Écoutez, je vais vous laisser vous confesser. Je vous donnerai ensuite la résultance de cette confesse. Et je procéderai au baptême. Très bien, mon père. J'ai péché par deux fois. Oh. Une fois sur la chaîne d'un Pakistanais. À mon tort, j'ai prononcé le mot de l'élu. Il s'agissait d'une mamie en manque, une mamie nymphomane. Et à la fin, j'ai lâché le mot « salope ». Ceci m'a été reproché. Il l'a mis dans un best-of et l'a ensuite effacé et censuré. Voilà pour le premier péché. Le second fut dans ma vie IRL, dans ma profession.
j'ai malheureusement dit le mot de l'élu à une collègue de travail. Je cite, après lui avoir dit, pour être aussi casse-couille, c'est que tu dois forcément être mal baisé, salope. Oh non. Malheureusement, elle avait un rang au-dessus du mien. Et j'ai malheureusement pris un avertissement, mon père. Voilà tout. Très bien. J'ai une question pour vous qui sera fondamentale en termes de réponse. Est-ce que, malgré la culpabilité, malgré les faits qui sont extrêmement graves, oui, est-ce mon... qu'au fond de vous, vous vous en branlez les couilles de tout ça? Exactement, mon père. Je m'en bats totalement les couilles. Eh bien, bravo. Vous êtes un vrai branle-couille et c'est pourquoi vous êtes tout pardonné, mon fils. Oh, merci, mon père. Bravo, bravo à vous. Je vais maintenant procéder à une chose que vous attendez avec grande impatience, je l'ai bien compris, à quelque chose qui risque de révolutionner votre vie, votre entourage va vous voir différemment. Est-ce que vous êtes prêt pour votre baptême, mon cher Morgan? Je suis prêt, mon père, mais j'ai une question. Est-ce qu'il faut obligatoirement la caméra pour être baptisé? Non, pas obligatoirement. Très bien, mon père. Bon. Je suis prêt. Pain d'épices. Jurez-vous de vous en branler les couilles de tout et encore plus du regard des autres et de prêcher la bonne parole à tous les noms baissés de France et de Navarre? Dès à présent, je le jure, mon père. Très bien. Ah ! Recevez cette eau que je ne saurais balancer en dehors de mon setup. Ah ! Recevez-la. Ah ! Recevez-la telle que Je la reçois, mon père! Bravo, bravo, mon fils. Et bienvenue parmi nous. Merci, mon père! Bravo, bravo. Accueillez-le tel qu'il se doit et comme il se doit. Bravo, bravo, mon cher pain d'épices. Et merci pour cette confession humide dont vous nous avez fait part. Avec... Ah, faut pas dire que... Ah ouais, Audrey, bah nique ta mère. On peut me dire, il y a le transport, il y a tout. Il y a tout. Non, je rigole avec vous, les filles. Ce sera pas un rap, ce sera de... Je sais pas si il y aura une facette rap, mais ça sera pas mal variété rap, hein, le prochain. Faites attention à vous. Allez, arrête de raconter ta vie. Bisous. Mais je pense que ça sera pas un EP, ça sera un album. Hein. Ça sera un 8 titres, au final. J'ai pas envie de faire un EP. Ah. Mais c'est quoi ça? Fais pas la maline. C'est la guerre, d'accord? Ce que c'est, tu sais ce que c'est la guerre, toi? Tu l'as vécu la guerre, toi? Il en restera qu'un. Tu l'as fait le Vietnam, toi? Tu l'as fait le Vietnam? C'est ouf. On va toutes vous retrouver sur le vous. Toutes. Toutes comme celles toi. Qui nous envoient des messages. Tous les détracteurs. Envoyez vos avocats. Envoyez-les. Je suis pas un château. Je peux te poser mais une non, question? Non, le rôle célèbre, frère, tu connais pas? Non. Tu fais. Hein? Oh! Je peux te poser une question! Frère, tu peux sucer tes morts, s'il te plaît? Moi, je t'en ai posé. Ouais. Merci. Ouais. Ah! Grosse pute! Tatride! Ouais, ça sent bien, ce quoi? Vas-y, j'enlève. Chier. L'autre là, à droite, là, elle s'ambiance trop. C'est trop de l'ambiançage, là, à gauche. Ouais, super bon, cet ambiançage. Alors, bon, bah, c'est la guerre, hein. Je crois que c'est déclaré, hein. Finis-les. Mais j'ai pas la verbe ce soir, hein. Ça va être calme, hein, je vous jure. J'ai pas le mot. Un coup, tu m'as sucé la chatte, un coup, tu m'as sucé le cul. Arrête un petit peu, hein, frérot. Ce soir, elle est au max, et moi, je suis tout le temps au max, frérot. Mouchoir satin, je suis des pleurs, tu les promettes. T'aurais rien dû me faire promettre. J'ai commis mes... Ouais, allô. Ouais, allô. Tranquille, toi.
Mazien. Mais moi, je t'explique, moi, c'est pas... Mais en fait, ce que vous avez pas compris, c'est que moi, je mets mes lunettes parce que j'ai cassé mes lunettes de vue. Pour lire vos commentaires, je mets mes lunettes de quartier, posées dans le quartier. Oh, mais quand c'est pas un bonbon, franchement, je n'ai rien à la casquette. J'en ai rien à la casquette, frérot, franchement. Tu es là, tu m'en boucanes, franchement. Je suis posée au crâne, frérot. Salut, c'est tout. Comment... J'ai pas compris, hein. Comment vas-tu? Moi, ça va, ton frérot, je n'ai pas la casquette. Hein. Mais bon, je te salue, c'est tout. Hein. Je suis nouveau ici, moi. Bah, je suis nouveau ici, donc je te salue, c'est tout. C'est juste un coucou. T'es jolie, très belle. Et t'es musclée. Ouais, je suis très musclée. Hein. Moi, le mec qui me... Qui me t'es woman, quoi. Me cherche une noise, je monte en l'air, bâtard. Bah oui, on fait attendez, le mec Marvel bidule, là. Il a pris un an de prison pas ferme. Je perds sa mère. Elle a quoi, elle? 2 ans, dont un mois. J'ai tout ce que je voulais faire. Ça va? Ouais, rien. Avec un casier. Tranquille ou quoi? Ouais, ça va. C'est n'importe je vais quoi. Je veux dire, c'est pas un bail qu'on s'est pas vu. Ça... Ouais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment que tu es sur le ventre. Bah ouais, YouTubeur. J'ai repris le sport. Alors. Ouais, je pense qu'elle est camée, elle, hein, pour le coup. Qui a dit Marvel Fitness, ouais. Aimez-vous. Hey, mes sœurs. Pourquoi tu me regardes de dos? Parce que j'ai dit aimez-vous. Non. C'est bon, Fares, ou pas? Les snaps de map. Elle va pas le donner, elle. Non, pas... Attendez. Attends, je vais pilier mon drapeau. Bonsoir. Bonsoir. Oula, bah t'as fait la guerre. Tu vas faire la guerre ou quoi? Je suis sûr que... C'est la guerre. C'est la bagarre. Oula. Quoi? Pourquoi t'as quoi sur le visage? T'as fait du paintball ou c'est comment? Non, c'est la guerre. J'ai décidé de déclarer la guerre à Lovu. Pourquoi? Parce que il y a des filles, les filles c'est pas des femmes bien. Bah ça dépend desquelles. Ah ouais, t'as des preuves? Bah ouais. Je suis prêt à t'épargner sur le champ de bataille, mais va falloir être très gentil. Mais vas-y, viens, j'ai 4 frères, je te couche direct. Ouais, t'es tranquille. J'ai pas du tout envie d'aller me coucher avec tes frères qui t'a choisi, je préfère aller me coucher avec toi et ta copine. Désolé, ouais, mais t'es bien la blague. La mauvaise partie du la guerre. Oh, il est demi là, il m'a fait peur. Arrête avec ton drapeau. Attends, je le plie, frère. C'est la guerre! Viens, attends, viens, on regarde, on ne calcule pas. On reste comme ça, outré. Vas-y. Ouais, moi aussi, je vais faire pareil. Rajoute-moi, Fares, vas-y. Vous saviez que le fait de me matcher vous faisait gagner également 3 points de QI, ce qui vous porterait le total à 10 à vous deux? C'était pas négligeable. Je serais vous, je sauterais le pas. Non, t'inquiète, on a assez de nous. Hein? Deux? On est content, hein. Arrête la blague à droite, merci. On n'a pas compris ce que t'as dit. Top, au top, bébé. Au top, Craig. Non, je rigole. Aïe, aïe, Islama. Bisous, bisous. C'était cadeau, là. Oh, ouais, elles ont l'air cool. Oh, cool. Oh, on dirait... C'est vraiment le meilleur. Allez, parti, putain, je vais snapper. Non, c'est pas des fesses, c'est des mains en forme de fesses. C'est pas des fesses, c'est des mains en forme de fesses. Non, il était comme ça. C'était pas une table, c'était une fausse forme de fesse. Mais non, mais c'était pas une bite, les gars. C'était pas une bite. C'est con, en vrai. Quoi? Bon, je te fie pas à mon apparence, hein. Mais le mec, faut vraiment être un gros con, quoi. Oui, j'ai des formes, je l'assume, mais de là à dire que je suis grosse, il y a pire que moi. Hein. Et peu importe, c'est débile de dire des choses comme ça. On peut rigoler, on peut troller, on peut soudre de la gueule, mais là, c'est quoi qui est drôle en plus dans ce qu'il fait? Y a rien. Ben, du tout, c'est juste pour blesser les gens,
Mais ça m'atteint pas, en fait, mais ils le savent pas. Regarde, je pourrais, je sais pas. Par exemple, je vais tenter des trucs, tu vas me dire si tu trouves ça drôle, d'accord? Ok? Bah, du moins. Bah non, c'est pas drôle. Ça, par exemple, c'est marrant ou pas? Bah non. Pourquoi? Bah, parce que ça casse les oreilles. Ah, c'est juste que ça casse les oreilles? Attends, je vais essayer de le faire en silence. Bah, je trouve ça dégueu. C'est juste dégueu. Ah, c'était juste le bruit apparemment qui la dérangeait. Proche, mon ton doigt. Tu m'as choqué. De quoi je t'ai choqué maintenant? C'est chiant quand tu craches sur ton téléphone, ça. Ça ferme tout. C'est comme la pilule, c'est juste de l'eau. Quoi? Si c'est que le bruit. Bah oui, si c'est que le bruit. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec son doigt, lui? Hein. Doigt Ted. Non, mais... J'ai pris la tête pour le vieux clochard, là, ton live. Salut, Michael. Salut, Craig. Porter plainte avec des avocats? Hein? Mais qu'est-ce qu'il... Salut l'air solitaire. Je cherche hein, dans les lives, hein, mais là, on commence à toucher le summum de... De rien. Je lui ai dit de se calmer, sinon... C'est qui ce Radio Pierrot, là? C'est qui ce mec, là? Je sais pas, Choupa, il y va des fois. C'est qui ce mec? Tout est banalisé, comme la moto sur laquelle Pascal va aujourd'hui patrouiller. Les collègues reliés par radio sont prêts à intervenir dans la nuit. Vous n'avez pas les droits. Et dès le premier vie à traverser, c'est déjà un téléphone. Hein? Oh, champion reportage! Bam. Monsieur, bonjour. Mais t'as un taré, Greg. Il fait 24 heures. Ah ouais. On s'arrête. Ça sert à rien déjà d'avoir une personne à l'hôpital pour être allé aussi à l'hôpital. Toujours les hommes qui font le con comme ça. Ah bon? Ah. Ça sera 3 points en moins et 135 euros d'amende pour... Mais si c'est pour faire le con, c'est pas la peine. Hein. Rapidement, Pascal va non ben allez, une vas-y. Nouvelle infraction ta race. De la ceinture. Niquez tous vos races là, bordel. Je vais tous vous bloquer là, attention. J'arrive. Je vais tous vous bloquer. Vous êtes des rageux. Comportement débile. Oh mon Dieu. Quel con. Préparez vos papiers de véhicule, s'il vous plaît, mes collègues vont arriver. Ouf, j'en peux plus. On n'avait pas match avec Mumu? Si, Mumu, j'ai un match avec Mumu. Mais comment ça? Elle m'a banni. Mais non, attendez, j'en avais une bien là. C'est qui ça? Ça, c'est du fake ça. Non, mais les gars, arrêtez quoi. C'est parti. Arrêtez, là. Non, mais non. Je sais pas, il fait ses petites affaires comme ça sans rien demander à personne, donc je sais pas si je le verrai. Ah, fait chier, il a démarré les battles. Bah, attention, accrochez-vous. Je crois que ça sera là-dessus qu'on va se finir. Enfin. Ah, mais. Enfin, bref, vous avez compris. Ouais, ça va ou quoi? Ça va? Putain, c'est... Waouh, c'est improbable. J'aime bien tes lunettes. Ah, mais je suis avec ma, j'ai avec ma pote, va. Là, elle picole aussi. Y'a rien qui... T'as du style, hein, franchement. Y'a rien qui va. Elle a picolé toute la soirée. Y'a rien qui va. Salut les filles, ça va? Salut les filles, ça va?
Tu peux souffler dans ta flûte. Quoi? Ah, mais c'est pas une flûte que t'avais là? Non. Par contre, c'est possible de voir plutôt ta copine. C'est quoi? C'est son copain? Non, c'est ma copine. Mais c'était une meuf? C'est ma meuf, espèce de con. On s'est fait moulaguette là. Oh putain. Salut. Il y a quelque chose. Non mais dites-moi sincèrement, il y a quelque chose qui va là-dedans ou pas? Mais non, mais j'avais pas fait attention que c'était une meuf, je regardais que la tête. Les posters, la croix, la moulaga, la chicha, le bras dans le truc, la desperado en premier plan. Y'a rien qui va? Ouais, j'avoue, Kyle. J'ai rarement vu un. Même moi, si je voulais faire un cosplay comme ça, j'y arriverais pas. Y'a trop. Oh, écoute-le, sa grand-mère. Baissez vos armes, messieurs. Baissez vos armes, Jackie. Allez, tout le monde, baissez les armes. On y va, Jackie, tu es Jackie. Les gars, je me suis fait braquer par eux. J'ai rien, je me suis fait braquer par eux. Raconte pas ta vie. Mais raconte pas ta vie, je t'ai dit. Oh, putain, mais je t'ai pas demandé de me raconter ta vie, là. Putain. C'est pas compliqué de fermer sa gueule, non? Jackie, pourquoi tu fais ça? Mais il parlait. Vas-y, Jackie, tu forces, frère. Mais j'ai fait quoi? Putain, Jackie, on va se faire niquer à cause de toi, Jackie. Mais pourquoi j'ai fait quoi? Au Bangladesh. Ils vont nous envoyer en Inde, Jackie. Mais c'est pas grave, on mangera du poulet takoyaki. Jackie, on va le goulag. Waouh. Ouais, Jackie. Ouais, quoi? Non, y'a rien, on va rouler, Jackie. Oula. Oh. Y'a rien, t'as rien vu, Jackie. Y'a rien, oh, oui, d'accord, y'a rien. Oh, Jackie, ça c'est pour toi, Jackie. Okay. Ça c'est pour toi, Jackie. Ok. Tu l'as vu, Jackie. Allez, on y va, on s'arrête, monsieur, on s'arrête, on descend, dépêche-toi. Arrêtez-vous. Voilà. Ah ouais, Jackie. Regardez, lui, il tire sans faire de sommation, cet abruti, du coup, t'es mort. C'est la purge. Calibré. Voilà, c'est calibré, la purge, ganté. Exactement. Allez, hop, ça dégage. Voilà, gros bâtard. Ouais, allez, gros montez, bâtard. Allez, on y va. Putain, on est en kill, là, on est en série, là. Non. Oh, merde. Oh, que je lui c'est dit. Pas grave, c'est pas grave. T'es un ouf, Jackie. Oh. Le top. Jackie, à cause de toi, on va le goulag. Jackie, t'as du chaud, Jackie, hein. Jackie, on va le goulag à cause de toi. Mais non, ça risque rien. De quoi? De quoi, Jackie? Mais non, mais y'a pas de problème, ça risque rien. On va le goulag, là. T'es sûr, hein? Mais oui, y'a pas de problème. Vas-y, oh, ajoute-moi sur Discord. Je peux pas là pour l'instant, je le ferai après, t'inquiète. Je Vas-y. Mettrai un message, je rejoindrai si on se fait. Ah, pour voir. Tu mettras un message où? Sur le Discord de Starlife. Mais y a, attends, peux pas arriver. Fais ta voix normale pour voir s'il te plaît. Ah non, je peux pas ça par contre. Ah ouais? Mais j'ai le modificateur, je touche à rien pendant l'enregistrement là. Jure? Bah oui, sinon ça me fait bugger en fait. Et t'enregistres là, tu vas faire une nouvelle vidéo sur Starlife. Oui. Ah ouais, patapou. Tu la sors quand? Je pense lundi ou mardi là. Enfin demain ou voilà. Eh, tu prends du temps, patapou. T'as un monteur, pote à pouf. Ah non, on est dimanche. T'as un monteur, ah, ou pas? Je suis con. Ah, oui. T'as un monteur. Allez, on y va, allons-y. Oui. Ah ouais, sinon moi je suis là. Hein. Mets-moi modérateur. Oui. Je fais tes lives sur Twitch ou YouTube? Sur YouTube. Mais je suis pas. Vas-y, mets-moi modérateur. Ouais, mets-moi ce modérateur. Comment je les vois? Pourquoi tu fais pas de live? 5-12 pour Eric. Oh putain. Pourquoi tu fais pas de live? Twitch, ça paye, hein? Ouais, non, j'ai pas envie. Tu vas te mettre plein les poches, pote à pouf. Bon, mais je voulais pas là. C'est moi qui décide ce que je fais ou pas. J'ai faim là. Il faut qu'on tue plus de gens. J'aimerais bien un endroit où il y a plein de gens et on fait une. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette merde là? On fait un truc. Oh, qui c'est qui court là-bas? Non, il y a quelqu'un qui court. La gauche. Mais non, on va la retourner. Ouais, on la retourne. La voiture, hein. La voiture. Oui.
Ah, c'est bon, on y va. Okay. Vas-y, vas-y, ramène-le à la récolte. Mais il y a toute une population là-bas, on va y aller, regarde, on va voir. Mais qu'est-ce qu'il fait lui avec sa voiture, lui? What? Mais... on pourrait, c'est la rue, mon pote. Je sais pas si c'est la rue, mais... Jackie, tu connais Harry Potter? Oui, oui, oui. Ah, c'est un peu comme ça ici. Ouais, d'accord. Non, non, là c'est bon, on est sur un. On est quand même sur un bon RP, je trouve que c'est un bon RP. Patapouf, quand tu seras ban de tous les serveurs, pourquoi t'achètes pas un spoofer? Non, 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 moi je fais pas de trucs comme ça. Mais t'inquiète pas, je peux pas être ban là, je connais tous les. Je connais des gens. Vraiment? Tu mais connais le staff? Tu connais qui? Mais je suis protégé ici, t'inquiète pas. Tu connais qui? Tu connais qui? Oula, ça fait mal ça. Je connais qu'on vient de. Oula, tu. Oula, aïe. Oh, mais j'en ai marre. Ouais, je me sens pas bien là. Ouais, ouais moi, nous aussi on se sent pas bien. C'est la merde. Tu connais qui en vrai? Je connais pas leur blaze, mais ils me suivent et ils me TP dans les toits là à chaque fois. Là. C'est pas. Je sais pas, c'est un mec, je te le dis, il me suce, il me donne de l'argent et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais quoi, non, rien, laisse tomber, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Hein bon, c'est quoi ce bordel? Ok. Bon, prépare-toi, Jackie. Oui, je me prépare là. J'ai le top, je... C'est cheater. Ah, par contre, j'espère que t'es. Oui, oui, ça me semble pas. Parce que les armes, c'est pas gratuit, hein. T'inquiète pas. Tu vas nous les payer, ah, Jackie. Hein. Mais oui, je vais vous les payer en vous apportant de la gloire sur YouTube, t'inquiète. Ouais. En vous apportant quoi? De la gloire sur YouTube. Voilà, dis-le. Ouais, ouais, je suis YouTube. Ça va ou quoi, YouTube? Ouais, ouais, ouais. C'est la street. Ça. À la fin, est-ce que je leur ferai pas? En fait, je suis pas Patapouf, je suis pas youtubeur, je vous ai bien baisé. C'est pas mal ça comme allez, final, non? On fera un final. Tu tires pas, hein? Non, non, tu tires pas direct pour les sommations, d'accord? Oui, oui. Tu tires pas dans la tête. Non, t'inquiète pas. J'ai pas envie de partir au goulag, moi. Mais y'a personne. Allez, go goulag, les gars, on y va. Allez, c'est pas qui? Mais dis pas qu'il y a personne, voyons. Mais non, y'a personne. Vas-y, Jackie, vas-y, Jackie, vas-y, Jackie. Vas-y, ok. Et oh, et vous chuchez la bite là vraiment? Pourquoi vous chuchez ce monsieur? Non, vous avez mal au mollet. Mais ça va pas de chucher des gens? Mais vous êtes... Mais arrêtez de faire ça, on est en public putain! Vous êtes malade ou quoi? On va pas chuchoter au goulag, Jackie, arrête de faire ça. Mais il est en train de chucher un mec sur un parking! Si. Aïe. Jackie! Putain de bordel de cul, Jackie. Ça nous tire dessus là, Jackie. Ah, oh, c'était RP, hein. Ah, oh, putain. Là, j'étais lourd en plus, j'ai pas tanké beaucoup. Hein. Oh, casse-toi, casse-toi, sinon je te tue, casse-toi, c'est bon. J'aurais fait pareil. Ah bah non, mais c'était un... Jackie, on va te sauver, Jackie. Ah, ils vont me sauver apparemment, les gars. Ah, c'est con, il y avait un médic sur place, mais... Je crois qu'il est pas en pleine forme. Je sais pas pourquoi, mais je crois que... Non, il est pas bien, le l'admin... Le... C'est moi, je m'occupe de toi, Jackie. Ah, il s'occupe de moi. Oh non, j'ai plus de... Merde, il a plus de... C'est bon, on va s'occuper de toi, Jackie. Ah, il s'occupe de moi, c'est bon, les gars. C'est bon les gars, vous inquiétez pas là, il s'occupe de moi. En plus là, tout était legit, donc ça va. T'inquiète, j'ai combattu sur la vie. Il a plus de medkit, ouais. Ça va, elle était belle la scène là, les gars, non? Jackie, arrête de tirer sur des VMS, ça sert à rien. Hein? T'es retourné? Oui, Jamel, mais on se fait un peu chier. C'était une belle scène RP là, non? C'était une belle scène roleplay, ouais, je trouve aussi, ouais.